Bon, nous y voici tout le monde. Bon, nous allons bientôt savoir ce que me réserve l'avenir pour le classement hebdomadaire. Donc, on sait déjà que Pushy est présent ici. Et fort probablement ici. Donc, ils vont être probablement doublés d'après moi. On verra tout ça. Maintenant, allons voir les récompenses des classements hebdomadaires. Oh, il y a quand même trois joueurs qui ont joué, dont deux qui ont au-delà de 80 000. Bon, on va aller voir Wiggler. J'ai hâte de voir c'est quoi sa spécialité. Bon, banane géante, ou peut-être à combien mieux, boîte à pièces, pourquoi pas. Ah, c'est banane géante, ok. Super ça. Donc, je viens de Dino Essios. Donc, ça veut dire que le costume de Wiggler, d'à cause 155, ne pourra pas l'utiliser pour son Mushroom Legacy, malheureusement. Étant donné qu'ils ont tous les deux la même spécialité. Puis que Wiggler ne fait pas partie non plus des princesses du Royaume Champion non plus. Pour. Pour sa règle de Mushroom Legacy pour les pilotes qu'il peut utiliser. Avec les restrictions qui vont avec. Bon, Jungle Dino Dino SCA, Ego Piranha SI, Wind Plant Piranha 2SI, Wind Plant Piranha 2A et Wind Plant Piranha SI sont les circuits très favoris pour commencer avec Wiggler. Il me semble que c'est l'une des rares fois que je vois un nouveau pilote qui arrive, mais qui n'a pas boîte à pièces comme spécialité. Et je ne parle pas des tenues mi, je parle genre d'un personnage de la série Mario, je veux dire. Ou qui vient d'ailleurs comme de Yoshi là, avec Super Mario World. Et voilà l'œuf de Wiggler. Oh, il y a Figure Plus, nice. Sun Dino Dino SC, Desire Calamari 2SC, Rune Celtic SCA, Desire Yoshi A, mais qu'on ne pourra pas utiliser cette semaine, malheureusement. Tunnel Plante Piranha A. Cette circuit travaillé aussi, ok, super. Avec un tuyau d'or. Bon. Ok, vu qu'il y a juste trois joueurs, on va aller voir qu'est-ce que les joueurs ont utilisé comme. Ok. Il y a la Flora Piranha. Non, excuse-moi, il y a la Plante Piranha. Tenue Plante Piranha qui est là. Ok. Pour le premier circuit. Ok. Donc, il a obtenu Ego Piranha. Il a obtenu quatre nouveaux circuits. Ça y est, c'est beaucoup ça. Oh là là. Et il a tenu trois circuits favoris. Ok. Il y a le navet Blues. Oh, yes, sir, le rapace rapide dans le désert Yoshi SC. Nice. Je pourrais l'utiliser. Pour moi, il est au niveau 8. Donc, 7. Ok. Donc, toutes les tenues mi ici. Ben, j'ai tenu Mijon de mon niveau 4, mais il me semble pour déjà Yoshi ici. Mais il me semble que déjà Yoshi ici. Ça se peut que ce soit Yoshi F d'or qui soit là. Mais il me semble que j'ai Yoshi F d'or. Que Yoshi F d'or se trouve là, mais je suis pas sûr. Ok, lui il allait être plus élevé de 78. Ok. Bon, rien de menaçant là. Y a le parachute au niveau 6, ok. Maintenant. Ah, il a encore remis le tenue mi-or. Ok. Pour le nouveau circuit, tunnel plan de piranha. Ouais, le joueur est justement au niveau 6. Moi, je l'ai maxé. Ok. Mais avec 2000 de points de base. Ils sont pas sérieux, là. Ils ont mis Bulldozer en plus deux fois. Ah, oh, mon Dieu. Ah, c'est pas vrai. Il y a aussi la Flora Piranha, ok, dans le tunnel Plante Piranha, mais ça va être une lumière, c'est sûr.
Dommage que j'ai pas mis aux 12 heures. Oh, si je me... Oh mon Dieu, c'est plate ça. Oh. En plus, qui est doublé pour cette semaine, Seigneur, c'est fou. Bon, les autres adversaires sont 8B, Pandinaha, Sandro, Macam, Popsnack, Eder, Léo. Non, c'est bien un joueur, ok. J'ai Carelli, parce que Léo aussi peut être aussi un bot, ok, parce que j'ai déjà eu ça. Ok, attendez, il y a Fong Dinchik, qui est la bâton. Jogalogus, Puka, Kingbu, japonais. Ça, Guilla, je crois que c'est un bot. Ouais. José aussi. C'est ça. Bon, ligue le plus élevé. Oh, il y en a un 99 ici. Ok, ça va être à surveiller, ça. Parce que, genre, il y a eu comme un. Il y a comme badge un top 100, ce sont pas. Oh, Seigneur. Oh là là. Je me demande c'est quand est-ce le jour où je vais enfin pouvoir terminer en première place dans un classement hebdomadaire dans la Ligue 99. Je me demande c'est quand est-ce le jour où ça va arriver. 77. 78. 79. 75, 80, 75, j'ai déjà fait celui-là, 75, 79, 78, 97. Bon, il y en a seulement qu'un, on dirait qu'elle est dans la ligue 99. 75, c'est ça. J'ai juste un adversaire à la ligue 99. J'espère juste que qu'il n'y ait pas Bédoza au niveau 8. Sinon, si Christian, tu oublies ça, Seigneur, je pense que je pourrais peut-être oublier la première place. Et il y a de fortes chances que ça soit le cas, il est au niveau 7. Ah. Ça va être chiant un peu, là. J'espérais au moins pour une fois, là, genre, que je puisse obtenir la première place, mais ça se peut que ça soit pas le cas à cause de ça. Juste en cause de Bedouard qui est doublé cette semaine. Ah, oh, c'est bon, ça n'a pas d'allure. J'aurais pensé que le ça pourrait tourner, mais peut-être pas pour cette semaine. Ah, là, là. Bon, ben, on va commencer. À savoir c'est quoi mes options à moi. On sait que là, il y a aussi Pauline Cogger qui a tenu ce nouveau circuit. Il y a la flop, il y en a Hall. Il y a aussi Mario Tanuki Blanc. Ah, oh, ouais. Il y a Koopa Rouge-Cours aussi, il a obtenu un nouveau circuit. Ah, il l'a obtenu. Ah, ok. Le dernier, c'était Château de Bordeaux 3 SI. Ouais, les pilotes rares commencent à obtenir de nouveaux circuits. Pareil pour les standards. Une fois de temps à autre, il en spot un, puis il en met un. Bon, ça, il y a même une Mi Wiggler qui est là. Docteur Mario, ok. Il y a même Pauline. Pauline Rose-Rose aussi. Mais il n'y a pas Pauline. Soirée. C'est dommage qu'il ait pas mis les 4 en même temps, ça aurait été bon. Non, ils ont décidé de pas le mettre, ok. Bon ben, c'est Tony Mihal. Oh yes sir. Bolide médiéval noir, nice! J'ai bien fait de le mettre au niveau 7 celui-là. Quand il est après la première fois. Tunnel plante piranha. Ah, c'est ça celui que le trouver qu'il a obtenu. Non, il a tenu aussi Ruin Sexe Cassi, Ruin Plante. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Il a tenu 5 nouveaux circuits. Oh mon Dieu, c'est payant pour moi cette semaine. Pour ce bolide-là, waouh. Il a tenu 5 nouveaux circuits. Waouh, waouh, waouh. Eh, ça, c'est bon, ça. À savoir. Il y a même le Kart Enfant Or. La raquette bleue.
et obtenu un nouveau circuit. Pour le navet Bloom, qui est bon dans les classements hebdomadaires. Lui aussi, il a obtenu juste un circuit, mais par contre, le bon Medivan Noir, il a obtenu 5 nouveaux circuits. Encore le Turbo Yoshi Rose. Et boy, Turbo Yoshi Rose, il est payé pour les classements hebdomadaires, coudonc. Il a obtenu aussi Junk Dino SIA. Et puis pour le Turbo Yoshi Bleu Ciel, qu'est-ce qu'il a obtenu? Ah, il a tenu seulement ça, mais il a tenu Romatica ici lors de la saison nocturne, la saison dernière. Ce qui vient de précéder dans le fond. Donc il y a Tuyo et Piranha Noir, ok, nice. Ça, c'est super, ça, c'est un bon médiéval noir. Je pensais qu'il était pas là. Oh ben, coudon, Seigneur, ça, c'est toute une chance, ça. Regardez ça, j'ai aucune... J'ai aucun autre L ultra rare pour celui-là. Oui, il y a aussi l'aile étoile mosaïque qui est double cette semaine. Sinon, je m'aurais ramassé avec tel standard-là. Je suis vraiment chanceux. J'ai bien fait d'améliorer ça jusqu'au niveau 7. Progressivement, cette aile-là qui est très bon. Ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. On l'a pas vu depuis combien de saisons? Peut-être 3? Hey, wow! Hey, ça c'est merveilleux, Seigneur, je pourrais utiliser celui-là. Désolé tout le monde! Désolé, j'ai celle-là au niveau 7 à 715 points de base. Mais je vais utiliser celle-là. Ah, c'est bon ça. Deux niveaux 7 triplés, puis un 4 triplé maxi. Ok, super. C'est super bon ça. Bon, c'est une bonne nouvelle. Pour les autres, on sait pas. Mais en tout cas, on sait que c'est sûr et certain que je vais utiliser. Il me semble que c'est Yoshi qui est là, mais je suis pas sûr, en moins c'est la version des Ayoshi A qui soit là. Ah non, bon c'est bien, au moins je pourrais utiliser Pouchy, il y a aussi trop de touristes qui ont rajouté. Yorin Sezek A qui a obtenu, il a obtenu aussi Yorin Sezek SIA. Ok, il a obtenu 3 circuits de désert. Super. Ok, Bushi. Mais d'autre part, il y avait déjà ce circuit-là. Ça, c'est plat, c'est rien qui est doublé, lui-là. Mais n'empêche, je vais utiliser Yoshi vu qu'il est déjà au niveau. Pushi vu qu'il est déjà au niveau 7. Enfin, il faudrait que je me débrouille avec ça. Hein, pas le choix, hein. Parce que j'ai juste un ticket de capacité de pilote. Fait que, tu sais. Il a tenu. Reed Sec. Non. Donc le design est quoi? Es-tu boosté? Ah non, c'est design Yoshi SI qu'il a ici. Au niveau 8, il débloque design Yoshi SI. Mais j'aurai jamais assez de tickets de capacité de pilote ultra rare vu qu'ils en ont seulement qu'un. Je pourrais en obtenir un total de 6 cette saison-ci. Fait que je n'aurais pas assez, il m'en faut 8 pour amener un pilote de niveau 6 jusqu'au niveau 8. Pour build dans un or, si je veux l'améliorer jusqu'au niveau 7, ben pour moi, il faut que. Il me faudrait 14 tickets. Comme vous voyez, il y a même le tenu mis pour qui. Voilà. Puis on a encore une fois la Call Girl qui est là, qui est doublée cette semaine. Je sais pas si elle peut obtenir un autre circuit. Peut-être pas parce que triplé, ça serait un peu fou. Mais n'empêche que, écoute, taux de touristes, Seigneur, ça serait bien plus. Attends une minute. Bon, il y a Pushy ici, mais j'ai taux de touristes qui est avec 430 de points de base. Oui, il y a trois nouveaux circuits de désert, mais. S'il est doublé, je préférerais mieux l'amener celui-là au niveau 7. Ça va être bien plus avantageux que je prenne Poussy au niveau 7 dans ce temps-là. Ouais, intéressant. Bon, ça va être Poussy pour en attendant. Puis rapace rapide, nice. Avec ces deux cartes-là, il y
Il y a le Torino, comme que je l'avais déjà dit, que, qui est bon pour les classements hebdomadaires, en se basant sur... En se basant sur les circuits de bataille. Ah oui, il avait déjà ce circuit-là. Donc, Rapace Rapide qui est de retour, c'est super. Avec mon aile fleur souriante, yes sir. Oh mon dieu. Hein? Fleur souriante, c'est qui ça? Oh oh, oh oh. Je pourrais même le booster au max. Oh là là. Oh là là. Ça va saigner. Il a obtenu des acaméries ici. Ok, c'est ça qu'il a obtenu. D'accord. Ouais, le planeur. Le planeur or, là, ici. Le planeur doré, excusez-moi. Puis on a aussi le fuzzy qui est très populaire. Que Dragon 655 là au niveau 8, mais au moins. Un retour. Je savais que le Flosserian allait être probablement boosté pour ça, mais. Mais alors, il a juste obtenu un nouveau circuit. Donc au moins, il est encore dans les classements hebdomadaires. Donc, c'est-à-dire que Pushy et Stella sont, on pourrait dire, exclusifs au classement hebdomadaire. Et puis c'est bon, deux niveaux 8 que j'ai triplé, puis j'ai un niveau 7. Donc, Tortoise au niveau 7, mais 430 de prendre base. Je pourrais peut-être essayer d'en aller au niveau 7, mais ça va dépendre s'il est doublé. Une plante piranha 2A. Non, ok, dans le fond, ok. Taux d'astronaute est là. Bédoseur est là. Bon, ça va peut-être pas trop pire, là, vu que là, j'ai quand même taux de touriste au niveau. Taux d'astronaute au niveau 7. Même si j'ai pas Bédoseur A, c'est pas grave, au moins. Au moins, je peux utiliser des plots de niveau 7. Même s'ils sont pas triplés, là. Il y a même le Mascas Ninja Rose aussi. Mais il est au niveau 5, fait que ce sera ça ici. Il est tenu du Jung Dino A. Dino A, oui, c'est vrai, je l'ai montré tantôt. C'est fun que le Bado Blanc soit là. Je prends encore leur booster jusqu'à 800. Bon, et voilà, puis les deux. Puis le costume. Le tenue de Wiggler, ben en fait, Mimi Wiggler est là avec Wiggler. Qu'on pourra pas utiliser cette semaine, c'est ça qui est un peu poche, hein. Il est dans le classement de Madai, mais ils ont fait carrément exprès comme dans le temps avec Pushy, genre, qu'on avait dans la boutique, qu'on pouvait acheter. Mais il était là juste durant la deuxième semaine. Puis là, il faut qu'on ait ça en récompense, mais on pourra même pas l'utiliser pour la première semaine. Il aurait dû mettre ça pour la deuxième semaine. C'est juste un peu con, là, de faire ça de même. Je m'excuse, là, c'est un peu con. C'est un peu con. Ok, vous mettez comme circuit. Vous mettez ça dans ce circuit-là. Mais on peut même pas l'utiliser. Mais on peut utiliser quand même tenue Mi Wiggler. Bon, mais il semble que j'avais des bons cartes. Ah ben mon dieu, c'est juste celui-là. Ah oui, c'est vrai, c'était le seul que j'avais pas. Que j'avais aucun cart avant. Ah bon, ben au moins il y aura ça. Tio doré. Que je pourrais aller chercher, mais j'ai pas assez de rubis pour le moment. Puis je planifiais justement de l'obtenir. Bon, ben, encore un corps de niveau 1, mais au moins, il y a ça ici, que je pourrais aller chercher aussi. Bon. Bon. Et ben, comme la saison dernière, ben, presque comme la saison dernière, ok, au moins, j'ai une aide de niveau 8. Mais, j'avais un pilote de niveau 8 aussi, sauf que là, j'ai un pilote de niveau 7 et un aide de niveau 8. Fait que ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Et aussi l'aile, j'ai pas vu. Il y avait l'aile du teint doré. Il a donné 5 nouveaux circuits. C'est beaucoup. Waouh!
4 circuits, 3 favoris. Ok, super. Parfois, ça va être ça. Ah, c'est très bien quand même, même si j'ai juste un code niveau 1. Je vais quand même faire un très bon score pareil, là. Même si je suis encore pogné avec des cartes de niveau 1. Bon, ok, avec, pour un circuit. Bon, maintenant la deuxième semaine. Que me réserve l'avenir? Tunnel, plante, piranha, SIA. On a deux fois des SIA. Ah, super, ça. Ça veut dire que je pourrais utiliser... non, c'est vrai, dans le A. En tout cas. Oui, une plante piranha ici. Ok, Flora Piranha est là. Nice. Ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Je ne me rappelle plus des options. Mais ça, pour ici, c'est quoi que j'ai? Mm-hmm. Ok, Flora Piranha A au niveau 6. Ah, c'est le seul pilote avec boîte à pièces. Pourquoi qu'ils ont mis encore ça là? Tenimi Piranha, pardon, ouais. S'il y a bien un pilote là, à éviter dans les classements de Vandardère, c'est bien ce Tenimi-là. En espérant que quelques personnes l'aient au niveau 8. Mais à date, j'ai pas eu de problème avec ça. D'après moi, ceux-là qui n'ont pas acheté durant la saison de l'hiver, le regardent probablement aujourd'hui. Mais ça va sûrement servir pour la course 151 qu'ils utilisent. Niveau 8 maxi. Oh là là. Bon, ok. Ouais. Donkey Kong, on a le Donkey Kong Gladiateur quand même. Pour la deuxième semaine, ok. Il a obtenu quand même quelques circuits. 5 nouveaux circuits. Puis il a obtenu 4 circuits, 3 favoris. Circuit favori, pardon. Ok. Il va faire Piranha aussi. Que j'ai juste à côté. À 1070 de points de base. Wario Cowboy est là. Taudette astronaute, mais on trouve beaucoup de. Il y a beaucoup de taudettes. Cette fois-ci, c'est la folie des taudettes au lieu de savoir la folie des Luigi. Vu que juste un seul Luigi, c'est Luigi Pingouin. Puis il y avait un taux de pingouin en plus. Hein, les pingouins sont populaires dans ce circuit-là. Ok, il faut reprendre en haut. Ok, le Cartio Piranha, nice, c'est super. Non. Ok. Il y a même le Jumbo Kart. Eh oui, le ballon piranha. Yes, sir. Il y a même celui-là. Ok. Parapente Charose. Qu'est surprenant, ça. Tunnel plante piranha ici. Ah, c'est le seul circuit trop favori qu'il a obtenu. D'accord. Ballon piranha, qu'est-ce qu'il a obtenu? Y a-tu obtenu plus qu'un circuit? Il devrait en obtenir au moins deux. Non. Non. Juste un. Il est où? Ils l'ont encore spoté à quelque part pour nous mélanger. Je le vois pas. À moins qu'il soit boosté. Ben je le vois pas. Ah. C'est une piranha ici. Non, c'est ici qu'on a. Je sais pas s'il est boosté ou non. Ok. Ah. Tiens. On a celle-là, champignon, un hop, 8 bits. Et c'est... On dirait qu'il est seulement que boosté. Bon. Parce que je le vois pas. Dans la section des circuits trop favoris. Puis là, du nouvel an 2020, c'est une surprise, ça. Ah, lui, il a tenu ce circuit-là. Ok. Bon, pourquoi pas. Pour les autres, on aurait dit que c'est boosté. Bon, ok. Pour ça. Donc, c'est bien. Doublé, triplé, triplé. Donc 6, 7, 7. Mon rue de plante piranha ici. Ben, je sais que j'ai déjà Flora Piranha au niveau 8. Et puis il y a Luigi Chevalier au niveau 8. Mais ça sera Flora Piranha vu que je l'ai à 1110 de premier monstre et l'autre à 1430. Un Pouchy est là. Il a obtenu ce circuit-là. Ok. Pourquoi pas.
Hein, comme je vous l'avais dit, il est doublé, petit. Il est doublé, celui-là, je le savais. Je le savais. Oh, il a obtenu deux nouveaux circuits, le Wimplum Piano de SI, celui-ci, puis en fait, il vient de s'accepter aussi. Wimplum Piano 3 SI. Wimplum Piano SI, et voilà. Ah, ben, ils l'ont rajouté dans le classement hebdomadaire, le Luigi Chevalier Or. Mais il n'est pas assez avancé pour que je puisse l'utiliser. Ah, il a donné 4 nouveaux circuits. Super. Super, ça. C'est très bien. Il a même tenu de Waluigi, du Wabu, Wiggler, il a été ajouté ici aussi. Ok. Donc, on pourra l'utiliser la semaine prochaine. C'est super, ça. Les gens pourront l'utiliser. Mais, ce n'est pas mon cas, vu que, comme que vous voyez, regardez ça, j'ai 2 pilotes de niveau 8. Puis c'est rare, genre, que j'aille ça. C'est la première fois, genre, que j'ai 2 pilotes de niveau 8 pour le même circuit. Mais dans le fond, moi, le chevalier était payant, mais pas pour là. Pour la semaine passée, oui. Et pour la saison, ouais. La semaine passée, oui, mais pas pour là. Ok. C'est pas grave. Oh, niveau 8, ok. Nice, nice, nice. Il y a même ça ici. Un tépite de rose, ok. Ah, ils ont rajouté ça. Bon, pourquoi pas. Puis, ouais, c'est ça. C'est le haut sec mobile, il est là. Il a obtenu 5 nouveaux circuits aussi. Nice, super. Les 3 favoris, puis il a obtenu 3 circuits favoris. Ok. On a le tuyau doré qui est aussi là, ça veut dire qu'il est doublé. Nice. Oh oui, le chabriolet doré, il est là aussi. Oh code, oh ben. Et moi je l'ai vu, je me sens dans 2 circuits à escapade à New York la saison dernière. Oh là là. Mais qui était hors des classements hebdomadaires. Il n'a pas obtenu des circuits très favoris, il n'en a pas obtenu. Mais il y a ça comme circuit. Ok, niveau 8 pour ça, rapace en flamboyant. Hey, ding dong. Hey, 3 niveau 8. Oh là là, 3 niveau 8, oh yes sir. Un qui a triplé, les 2 autres sont doublés. Oh mon dieu. Ah, j'ai trois niveau 8 pour la première fois. Ben coudonc, dans le même circuit. Oh mon dieu. Oh là là. Ouais, ça c'est réellement bien ça. Hein? Ça c'est un circuit fait pour moi ça. Oh là là. Hey, 2-3 niveau 8. Oh mon dieu. J'ai peut-être une chance de faire 60 000. Oh là là, j'ai peut-être une chance de faire 60 000. Oh mon dieu. 3 niveau 8. Oh mon dieu, que ça va saigner. Oh seigneur. Au moins, un point de boss triplé pour chacun. Oh là là. Bon, oui, c'est ça question. Je sais que j'ai le masque Ninja Rose. Je pense que j'ai pas bien choix. Ça va être plus le. Oh merci. Merci. Oh, ben coudon. Là, on vient. Là, c'est certain niveau 7. Je l'emmène au niveau 7 de ton tourist, ça c'est sûr. C'est trop de touristes que j'aurais boosté cette saison-ci. Ça sera pas Bulldozer Or vu qu'il est donné. J'ai seulement au niveau 1. Fait que, trop de touristes niveau 7. Va arriver au niveau 7. C'est trop de touristes, c'est sûr. Parce que même si j'ai poussé au niveau 7 à 1180 points de base, n'oubliez pas qu'il y a trop de touristes à côté pour l'un des circuits du 80 de cette semaine. Qui est dans le même circuit, donc. Il t'a mis 432 points de base pour ton touriste, toi t'es à 1190, ça fait avec lesquels qui est plus avantageux. Ce sera ton touriste, c'est sûr, regardez ça, il est doublé. Pour ça, il est doublé, mais moi je l'ai mis à 132 points de base. Malgré que je pourrais l'amener à 1190 points de base, mais je préfère mieux utiliser Banane Géante que le.
qu'à tout site, parce que je trouve que Banane Géante peut offrir quand même des combos plus intéressants que l'autre. L'autre, tu peux avoir une quarantaine de combos, tandis que pour la tout site, tu peux obtenir au moins une quarantaine de combos au total. Tandis que ici, une grosse opportunité d'obtenir jusqu'à 60 combos d'un coup avec la frénésie de Banane Géante. 60 combos, 60, pas 40, jusqu'à 60. Vu que augmente les chances d'avoir une banane géante qui se divise en plusieurs bananes, donc au lieu de 4, tu peut-être divisé en 8 des fois. Fait que ça va augmenter les chances d'obtenir plus de combos. Si déjà je peux lancer 10 bananes géantes dans une frénésie, si on calcule genre que c'est pas en 4 morceaux de banane, ça m'en fait 40. Mais si parfois il se sépare en 8, disons 4 fois, on s'en va se chercher quoi 16 de plus, ça fait 56, tu sais, on arrive près de 60. Tu sais. T'es imaginé. C'est les 10 bananes géantes que tu lances. Il y a eu 9 cibles qui l'ont touché. Ben, il y a 9 personnes qui l'ont touché. Ben, plus 4 morceaux qui arrivent, puis que t'en poignes 4 à la fois, ça fait 36. Donc on arrive à 36 x 9, 45. Là, on est déjà rendu à 45. Puis si, parmi l'une de ces bananes géantes, tu sépares en 8, là, ça va être encore mieux. Comprenez? C'est quelque chose que, quand même, c'est quand même. Que banane géante, je trouve que c'est un spécialité, mais ça, qui peut être largement mieux si les bottes glissent plus souvent sur la géante banane, se sépare en plusieurs morceaux de banane par la suite, des petites bananes. Ouais, niveau 7, taux touriste. Ça, c'est sûr que j'allais l'emmener au niveau 7, ça, c'est sûr. Oh mon dieu. Hein, on a aussi la Cargirl aussi, hein. Mais ça va être trop de touristes. Trop de touristes avec. Encore une fois, Raphaël Fonvoyant. Yes. Bon. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On y va-tu pour un 4 triplé? Ah ouais, mon premier. Peut-être pour mon premier. Je pense que je vais amener son niveau à 805. Pour me permettre peut-être un petit avantage de 1000 points de plus, là. Tout ou plus. Il est doublé le rapace flamboyant. Et merci d'avoir mis ça doublé. Oh yes! Oh yes, sir. En plus de ça, ça va me permettre de mettre deux éléments quadruplés pour la deuxième course. Oh yes, yes, seigneur. Je te dis. Je pense que, d'après moi, là, ok, ça s'en vient. Bon, ma première victoire va s'en venir ici. Dans la deuxième semaine, probablement. Avec les options que j'ai là, il y a de fortes chances alors que je parvienne enfin pour la première fois. Obtenir ma première victoire dans le classement de Madère. Probablement dans 2 semaines. Ok, l'œuf de Wiggler. D'accord. Ok, ce kart-là qui est de retour pour une deuxième saison de suite. Ok, interview de 2 classiques. Ouais. Toujours bon hein, d'avoir au moins d'aller acheter tous les cartes de la version interprète 2. Pourquoi? Parce que l'un d'eux, il va souvent se trouver dans le classement hebdomadaire. Toujours l'un d'eux, ou bien peut-être deux. Là, il y a l'interprète 2 rose et l'interprète 2 classique. Dans la même semaine en plus. Puis il repasse rapide 2 fois, sérieux, c'est trop merveilleux. Ah non, c'est pas vrai. Vous avez mis ces deux-là ensemble. Oh boy, coudon. Les deux sont ensemble. Oh mon dieu. Je m'en rappelais même plus. Oh mon dieu. Oh mon dieu, en plus de tout ça. Ah, elle recherche volcanique en plus de tout ça. J'ai les deux doublés en plus. Oh mon dieu. Oh non, je vais en profiter. C'est clair, je vais en profiter. Ah ouais, go les deux à 805. Oh, non, moi je vous le dis là. Ok. Celle-là, je vais le mettre à 805. Oh non, allez go, maxi pour un circuit. Donc on peut aller un de quatre, toutes quatre triplés, deux de quatre triplés là.
Oh là là, oh oui, oh oui. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, j'ai même ça ici. Oh oh. Eh hey. Attention, oh oh, eh hey. Mais attends une minute. Oh boy. Là, on essaie de me faire un choix difficile parce que regardez ça, il y a même le super champignon 8 bits 7. Mais l'aile recharge volcanique. Ça fait un bout qu'on l'a pas revu, même si. Oui, ok, c'est une aile qui est vieille, mais quand même qui est bonne avec les 4 mètres dans ma dame. Ça fait au moins 3 saisons qu'on l'a pas revu. Tandis que elle, recherche volcanique, ça fait quoi, je pense, 4 saisons de suite qu'il est là. Mais c'est une aile un peu plus récente que l'autre, même s'il est un peu vieux, il est quand même le plus récent des deux. Donc, lequel qui serait le plus avantageux? Oui, ok, éclair plus, ça change pas grand chose, mais n'empêche que. N'empêche que je l'ai doublé les deux. Sauf que pour le champignon, ce champignon-là, je l'ai dans la première semaine du classement intermédiaire, tandis que l'autre ici, je l'ai doublé pour les deux derniers circuits de la deuxième semaine du classement intermédiaire de la saison des tuyaux. C'est pareil pour le rapace en voyant. Les deux sont dans le même circuit. Les deux sont dans le même circuit. Oh mon dieu. Il y a même l'aile gamba. 8 bits. Il y a aussi cette aile-là, le biscuit Yoshi. Le beau biscuit Yoshi. Il est là avec l'aile de Wiggler aussi. Biscuit Yoshi. Pour une pâte de chat d'or. Ouais. Ok. Eh ben. Oh mon dieu. Hey. Là, c'est sûr et certain, je vais avoir l'opportunité de. J'espère que ça va être ma semaine rendue là parce que, genre, écoutez, là, ça fait 4 saisons que j'attends là pour espérer remporter ma première victoire. Est-ce que là, ça sera la bonne cette fois-ci? Je l'espère parce que, regardez-moi ça, les options que j'ai là. Minimum niveau 6 pour chacun. Minimum niveau 6. Regardez-lui, niveau 6. On a niveau 7. Puis on a niveau 7. Écoutez, je peux pas avoir un meilleur scénario que celui-là. Puis en plus de tout ça, ok. Le 5/9 de mes items sont niveau 8. Ben, que je peux utiliser ici. Ben, en fait, plutôt 3 parce qu'à cause qu'on a, on a la rapace. J'ai la rapace flamboyant. Et là, le ressort volcanique sont doublés les deux pour le même circuit. Deux fois. Deux fois les deux. Tu sais, regardez, Flop Rana, j'ai. Tu rapaces ça ici. Regardez, 7-7-8-8. Là, c'est 6-8-8. Mais si j'emmène d'autres touristes au niveau 7, là, ça risque d'être vraiment bon. Là. Ça risque d'être réellement bon. Oh oui, ça risque d'être réellement bon si j'emmène d'autres touristes au niveau 7. Là, j'ai l'opportunité de pouvoir remporter ma première victoire. Enfin. On espère que quelqu'un n'est pas mieux. Je l'espère, là, si j'aimerais ça pour la première fois. Ça y est, j'attends. Tu sais, j'ai attendu tout ce temps-là pour que ça l'arrive. Je me suis dit dans ma tête, durant ma. Avant que la saison arrive, c'est une saison faite sur mesure pour moi. Peut-être pas pour la première semaine. Ben, il est fait quand même sur mesure parce que quand même, j'ai quand même de bonnes options ici. Même si c'est juste un cas de niveau 1, ça, je vais bien m'en sortir vu que j'ai une option de niveau 8 et l'autre de niveau 7. Qui c'était ici, je pense, dans des Ayushi, je pense que c'était ça. Non, c'était pas là. Je pense que c'était dans le dernier circuit. Ah oui, c'est vrai, puis j'avais l'aide de niveau 7 qui était... Oui, non, j'avais 7-1-7. Non, 7-1-8, excusez-moi. Ah, c'est là le recharge aussi. Oh, mon Dieu. Hey! Ceux-là qui n'ont pas les ressources au niveau 8, ils vont capoter. Ils vont capoter quand ils vont voir que j'ai ça au niveau 8. Oh, j'avais même pas que je l'avais triplé en plus. Ah, Seigneur, je me suis même pas rendu compte. Hey, j'ai elle rocheuse volcanique triplée. Oh, y'a, je l'ai triplé. Oh mon dieu. Hey, ça, c'était-tu vraiment une bonne aile à améliorer, ça-là? Oh là là. Il dit que c'est la première aile que j'ai améliorée au niveau 8. Et voici le résultat aujourd'hui. Je l'ai 3 fois. Ça veut dire que genre une course sur 3, une course sur 2, j'ai cette aile-là. Oh mon dieu de. Oh boy.
Oh mon dieu. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Hey. C'est clair, je vais l'amener à 805 cette telle-là, cette saison. Je vais en profiter en masse. Même si ça me donne une couple de centaines de points, ça va aider à grimper dans les bonus, ça c'est sûr. Oh là là, ça c'est sûr et certain. Oh, je l'amène à 805, c'est sûr et certain que je l'amène à 805. Ah. Au diable, le reste, c'est rien, parce que toute la majorité de mes ailes sont au niveau 7. Fait que, genre, je suis correct en masse dans les ailes. Puis j'avais prévu de mettre ballon piranha, ballon discret au niveau 8, mais je crois que ça va attendre. J'ai vu que c'est le ballon piranha qui remporte la perle aujourd'hui. Ainsi qu'une autre aile, mais je me rappelle plus c'est laquelle. Mais le ballon piranha, je pense que ça va être celui-là que je vais amener au niveau 8, vu que Igu piranha dans les autres circuits. Ok. Bon ben, on commence. Oui. Oh mon dieu. Eh hey, ben j'en reviens pas. Assurément, ça va être. J'espère de tout cœur que je vais réussir à remporter ma première victoire. Je l'espère. Je l'espère, gros. Ah, on peut aller dans un tuyau rouge ou un tuyau bleu, ok. On va aller voir dans le bleu qu'est-ce qu'il y a. Donc le raccourci se trouve pas là. Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Donc la bleue, c'est à oublier. Je pense que je vais recommencer ça. Toujours, j'ai rien à perdre de Noé. Donc, j'ai oublié d'aller dans le tuyau bleu. Le tuyau rose est plus avantageux. J'étais juste curieux de savoir ce qu'il y avait là. Mais tout le monde va dans le rouge.
47. Je pense que je peux peut-être atteindre 58 là-dessus. Avec un peu plus de chance, peut-être 58. Ouais, un très bon score là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que je me demande ce qui va arriver avec Bulldozer parce que, genre, il y a un joueur qui est au niveau 7 à 1430 de points de base, fait que, genre, je suis un peu inquiet pareil parce qu'il peut il est doublé cette semaine. C'est juste ça dont j'ai peur. Mais vu que j'ai Tauris ici, ça pourrait changer la donne aussi. Je pourrais avoir la même équivalence qu'un Bulldozer Hall qui est au niveau 7. Même s'il est doublé, je peux peut-être compétitionner contre ça. Là, j'ai pas assez d'étiquettes de capacité. Puis là, j'en ai juste un en ce moment. Fait que Tortueuse va arriver au niveau 7 plus tard. Pour l'instant, je vais utiliser Poussy. Moi, d'après moi, je pense que je serais capable de faire un score de 140 000 et plus pour les deux classements de médaille. Ben, je parle pour le score total des trois circuits. Là, il est trop tard là. Mais c'est pas grave, au moins j'ai la deuxième place. Ne vous inquiétez pas, j'utiliserai trop de touristes plus tard. Je vais essayer de profiter du potentiel de combo que je pourrais avoir avec Banane Géante. Moi, c'est une excellente opportunité.
Trop tard. Oh, c'est pas grave. J'ai réussi à obtenir les deux cibles en même temps, mais là, il y a Dixie qui est là. Hein? Oups, j'ai manqué ça. C'est pas grave. Bon, ben, 47, 28, 29. Donc, je dois être à 100 000. Je dois être au-delà de 100 000, je pense. Pour la première fois en vidéo, là, que je montre ça, là, pour les premiers essais. Ça, ben, plutôt deuxième essai, premier essai. Parce que là, je voulais recommencer, parce que j'étais juste curieux de savoir si c'était quoi le tuyau bleu. Ben, en fin de compte, ce qui est le plus avantageux où aller, c'est dans le tuyau rouge, non pas dans le tuyau bleu. Le tuyau bleu, il n'y a rien. Il n'y a rien, puis en plus de ça, ça te met dans le trouble. Ah oui, 106 528. Ah, tiens, il y a Léo qui vient d'embarquer. Bon, là, ici, ça, tout va dépendre des options de mon adversaire qui est à la ligue 99 et aussi 97. Même s'il est très peu éloigné, ça peut être à considérer aussi. Tandis que tout le reste sont genre entre la ligue 77 à 80 à peu près. Puis il y en a qui peuvent même pas utiliser la tenue mi-or vu qu'ils sont pas. Parce que leur ligue la plus élevée est 77-78. Mais il y en a certains qui peuvent l'utiliser, au moins. Mais dans le fond, c'est festival niveau 7, niveau 8 pour moi. Oh là là. Cette saison-ci. Ok, 11 de 40, nice. De 40 aussi pour bébé Rosalina. Puis un 400 avec Wendy. Ok. Bon, ben, ça sera tout pour le moment, tout le monde. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée et probablement à demain pour des défis Pro du Kart. Peut-être demain. On verra.